Bonjour tout le monde, ici Maroc Daniel et bienvenue au 5e épisode de Planet Coaster Communautaire. Oui, c'est Planet Coaster Communautaire. Et puis aujourd'hui, pour ce 5e épisode, eh bien, on va ramasser tout de suite à partir du 4e épisode parce que, comme vous vous rappellerez, dans le dernier épisode, les choses ont terminé un petit peu sec. Depuis ce temps-là, j'ai apporté quelques modifications aux montagnes russes. J'ai essayé de faire quelques petits smooths puis d'arranger une couple de petites affaires. Donc, on va tout de suite sauter là-dedans. Checkez bien ça. J'ai apporté des modifications. Attendez que vous voyez ça. On va commencer avec la montagne russe mauve. C'est là que moi, j'ai créé. Alors, on va se mettre dans un mode comme ça. On peut voir les deux en même temps. Par contre, voilà, comme ça. Checkez bien ça. Je suis pas mal fier de ce que j'ai fait. Là, j'ai réalisé que j'ai peut-être manqué une petite place où ce que la montagne russe verte se fait décapiter, mais c'est correct, on va juste avoir besoin de le creuser. Mais checkez bien ça. Ils sont synchronisés pas mal bien. Donc celle-ci, on va la regarder d'en arrière, à voir comment qu'ils se suivent. J'en suis pas mal fier, je vais être honnête avec vous. Mettez vos gageurs, c'est laquelle qui va gagner, la verte ou la bleue. On y va, c'est parti, oui! Donc Dretzi, ils vont se croiser une première fois. Attends un petit peu, la verte est là, oui! Et vous voyez ça ici, ils vont se croiser une deuxième fois comme la verte va arriver à gauche, va passer en dessous. Et voilà, ils se suivent, c'est comme s'ils dansent ensemble. Là. Ils arrêtent pas de passer une par-dessus l'autre, en dessous l'autre, par-dessus l'autre, en dessous l'autre. Ici, j'ai complètement tassé la montagne russe bleue à droite. Idée de faire à ce que la montagne russe verte se retrouve à l'intérieur. Aussi, j'ai ajouté un cercle d'extra ici qu'on est en train de faire en ce moment, juste pour permettre à la montagne russe verte de se rattraper, parce que c'était comme un petit peu pas juste. Là. Donc voilà, après ça, il se danse encore alentour un petit peu, mais à ce point-ci, comme on peut voir, ça a l'air comme si c'est peut-être la montagne russe verte qui va gagner, parce que nous, on a encore un petit détour à faire ici, et comme on vient se placer ici, on vient d'entendre la montagne russe verte. Et oui, là, voilà, est déjà à la station. C'est écœurant. Regardez ça. Quand on se met dans la montagne russe. Avant de faire ça, attendez un petit peu. Là. Je vais juste réparer ici la décapitation. Là. OK. Donc, voici, on est dans la montagne russe verte maintenant. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va être assis comme si on était dans la montagne russe comme telle. Donc, je vais essayer de me mettre dans le milieu le plus possible, dans le siège numéro 2 du wagonnet numéro 1. Checkez bien ça. J'adore l'effet que ça ici, ça fait avec la montagne russe mauve. Là, bien sûr, étant à gauche, on l'a entendu, mais on l'a pas vu. J'ai de l'herbe ici un petit peu à réparer. Mais la voici qui s'en vient. La voilà, bonjour. Et puis, voici, si on passe en dessous là, elle va être à notre droite qui va apparaître. La voilà. Puis là, on va danser ensemble. On danse ensemble, on tourne un en entour de l'autre. C'est trop cool, ça, c'est trop malade. Là, bien sûr, elle disparaît un petit peu, elle passe en dessous. Nous, ici, c'est où ce qu'on se fait décapiter. On la rattrape presque, mais malheureusement, elle part avant nous parce qu'elle est juste un petit peu plus vite que nous. Et puis, on repart. J'ai checké en passant les chaînes pour monter, à savoir c'est laquelle qui allait plus vite que laquelle. Et puis, c'est bel et bien. Les deux sont à la même vitesse. Et puis là, elle est juste par-dessus nous en train de faire du slalom un petit peu. Mais bien sûr, c'est la montagne russe verte qui gagne parce que nous, on arrive en premier ici. Et voilà la mauve là, qui n'était pas encore arrivée. C'est trop cool, la façon que ces deux montagnes russes-là sont collées ensemble. J'adore, absolument. C'est juste la façon qu'ils dansent ensemble. C'est vraiment malin. On va ouvrir les deux. On va t'ouvrir toi aussi, parce que les deux, quand ils sont ouverts, eh bien, ils partent ensemble. Mais voilà, donc c'est le piton de Eliane, merci beaucoup. Donc, peut-être une des premières choses qu'on va vouloir faire, c'est donner un nom à notre montagne russe. Bien sûr, j'ai déjà donné un nom à notre montagne russe parce que dans le dernier épisode, je vous avais demandé, genre, c'est quoi le nom que vous voudriez donner à ces montagnes russes. Vous aviez toutes sortes de pleines, de super bonnes idées pour des noms, mais il y en a une qui s'est fait répéter trois fois par trois différentes personnes. Motion Lego, Peacock 83 et... T'es où, là? Jules Simard. Les trois qui ont suggéré le Cobra. Donc voilà, c'est le nom de montagne russe, le Cobra, qui fait compétition à le Python. Donc ouais, le Cobra, le Python, ça comme fait du sens, non? Me semble, ça a l'air comme ça fait du sens. Bon, alors ce qui a été fait maintenant, on doit enlever des arbres. En fait, ces arbres-là, je peux-tu les garder? Je pense pas qu'ils sont vraiment dans le chemin. C'est surtout celui-ci, où est-ce qu'on se fait décapiter par les branches d'arbres. Et celui-ci, qui a pas vraiment de place là en ce moment. C'est comme un arbre avec une grosse face qui fait de dos et qui est content. Va falloir qu'on regarde quoi faire exactement avec les hôtels. Je suis pas encore certain. Je sais qu'il y a eu des commentaires qui disent « Hey, pourquoi qu'on patente pas les hôtels? L'idée de faire, est-ce que genre... On les met tous dans la même place, comme ça ils sont loin des bruits. » Je sais pas trop. Ça ici c'est un hôtel, ça ici c'est un autre hôtel.
Pour le moment, je n'ai pas trop de choses au hôtel. Plutôt, je vais vouloir me concentrer sur la section ici. Parce qu'on a deux attractions ici. Et puis, on a ça ici qui est une foire alimentaire de quelque sorte. Donc, il faudrait bien connecter ça ensemble. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. En train de bâtir des montagnes russes. Non, c'est pas vrai. Des chemins. Voilà. Donc, ça ici, ça a l'air un petit peu étrange, ce genre de long chemin-là. Mais je suis en train de penser que ici, en fait, on pourrait mettre quelque chose comme une grosse attraction. Une grosse attraction qui serait genre par elle-même. Je sais pas trop exactement quoi mettre là, mais on va garder ça vide, cet espace-là, pour le moment. Mais là, voyons voir, on va connecter tout ça ici. On est en train de bâtir des lignes d'attente. J'essaie de bâtir mes lignes d'attente un petit peu croche, parce que ça va me donner de la place pour mettre des affaires, des genres de décoration. Donc, j'espère que... Oh mon Dieu, ça c'est étrange. J'espère que... que ça va genre m'inspirer un petit peu, là. Je veux que ce soit croche, mais je veux pas que ce soit trop croche. On bâtit des attractions, et voilà! Donc, ça ici, maintenant, on peut l'ouvrir. Ça ici aussi, on peut l'ouvrir. Et voilà, maintenant, on a deux attractions, une là, puis une là. Là, ici, il faut faire quelque chose avec ça ici. C'est quoi qu'on a ici? On a une place pour acheter des souvenirs. On a un bâtiment pour employés. On a une place d'information. On a une affaire de secours. On a une affaire de burger, une affaire de dog. On a une affaire de breuvage, une affaire de balloon, une affaire de... C'est quoi ça? De breuvage encore. Des toilettes. Ok, je pense qu'on a besoin de faire quelque chose ici parce qu'on a... On a une foire alimentaire et tout ça ici, ce qui est quand même assez proche d'ici. Mais je vais quand même faire quelque chose avec l'espace ici. Il y avait des suggestions de faire un genre de... Comment t'appelles ça, là? Peut-être un village ou quelque chose de même. Je sais pas trop exactement. Là, je vais enlever les arbres. Ils sont un petit peu dans le chemin. Mais voyons voir si on peut faire quelque chose ici. Autre qu'une foire alimentaire... Attends, il y a encore des arbres ici? Allez-vous-en, les arbres. On a assez d'arbres, là. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bonjour tout le monde, ici mon oncle du futur, mon oncle qui est en train de faire le montage de ce vidéo. Et puis, comme vous pouvez voir, aujourd'hui on fait quelque chose d'un petit peu différent. En fait, on est en train de retourner un petit peu dans le passé, puis on est en train de faire un vrai de vrai montage. Eh bien, sans le montage, aujourd'hui l'épisode serait peut-être 8 minutes, 9 minutes. Avec le montage, l'épisode est un petit peu plus long. J'ai besoin de votre aide à savoir, genre, c'est quoi que vous aimez de mieux. Est-ce que vous aimez mieux quand vous voyez ces genres de montages-ci qui sont un petit peu rapides, un petit peu saccadés, mais vous pouvez voir comme l'évolution de la décoration qu'on est en train de faire? Ou plutôt, est-ce que vous aimez mieux quand je coupe et je montre, comme je vais montrer ici, les évolutions côté caméra? Les évolutions côté caméra, c'est quelque chose de nouveau que j'essaye, bien sûr, dans cette saison communautaire de Planet Coaster. Mais ça fait que ce genre de décoration-ci qui m'a pris 2 heures passe en temps de quelques secondes. Donc, ça peut faire des épisodes beaucoup, beaucoup plus courts. Donc, je suis juste curieux à savoir qu'est-ce que vous en pensez. Autrement, eh bien, voici les belles... mon aventure de décoration. Donc, je vais laisser la musique jouer. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous aimez mieux quand c'est juste les images et ça passe vite? Ou est-ce que plutôt vous aimez le plus long montage qui prend un petit peu plus de temps? Laisse-moi savoir, et puis ça va m'aider à savoir comment patenter mes épisodes dans le futur. Merci beaucoup, puis là maintenant, écoutons un petit peu de musique et regardons la fin de ce montage.
Et voilà! Ok, c'est un bon début. J'ai comme... C'est drôle, hein? J'ai concentré un petit peu sur ce côté-ci de l'attraction. J'ai pas vraiment concentré sur ce côté-ci. Parce que je sais pas trop qu'est-ce qu'on va mettre par là-bas. Mais voici, laisse-moi vous montrer un petit peu ce que j'ai fait côté décoration. Donc en fait, bien sûr, une genre de méchante grosse jungle. Il y a un passage secret que les gens peuvent suivre s'ils veulent passer par le petit passage ici. Bien évidemment, grosse pyramide ici. Je vais voler un petit peu la pyramide qui est venue avec le DLC d'aventure. Mais ce qui est important, bien sûr, c'est que j'ai essayé de tout défaire la pyramide. On va faire les montagnes russes bientôt, là. Et puis vous allez voir comment que ça a l'air quand c'est tout brisé de même. Ça a l'air comme c'est fait par exprès pour que les montagnes russes puissent passer à travers. Donc c'est quelque chose de pas pire. Bien sûr, ici aussi, on a un gros serpent en or qui vient avec un feu, un petit peu de feu. Il y a du vomi aussi par terre pour quelque raison, mais un petit peu de feu qui sort de la bouche. Donc si on vient ici puis on fait la nuit par exemple, voici de quoi ça a de l'air. C'est quelque chose, on pourrait peut-être mettre un petit peu de lumière dessus aussi. Ça fait énorme contraste sur le monde vintage aussi, donc c'est vraiment comme son propre monde si on veut. Ce qui est aussi un jeu intéressant. Bien sûr, un petit lac aussi dans le milieu ici, et je me suis amusé, j'ai rapporté ça ici, vous reconnaissez peut-être d'un vieux live, c'est notre pyramide avec un scorpion dedans. Donc, la porte elle ouvre quand il y a un train qui passe à côté. Les trains sont en train de monter en ce moment, alors on va embarquer dedans. Là. Puis là, ici, il y a notre ami, le scorpion, qui est super laid. Bien sûr, qui essaie de nous attaquer. Donc, voici, on va embarquer dessus cette montagne ici. Et voici maintenant de quoi ça a l'air avec les décorations. J'ai peur un petit peu. Parce que. J'ai peur un petit peu parce que la première moitié et la moitié à gauche est pas vraiment décorée, mais la moitié à droite est pas mal finie. C'est vraiment un travail que je fais, genre, en étapes, si on veut. Donc, voici de quoi ça a l'air en ce moment. Hein. Oui! On peut peut-être mettre quelque chose dans le lac. Je sais pas encore, on va voir. Et oui! Puis là, ici, je suis en train de penser peut-être mettre des serpents aussi dans les arbres. Là, on a un petit peu de foin qui est dans le chemin. Mais là, ici, la porte l'ouvre. Le scorpion, il sort. Il sort pas assez vite. Check ça, comment c'est différent. C'est tellement différent quand tu arrives. Là, soudainement, tu es en train de t'amuser à passer à travers de la... Comment on appelle ça? De la pyramide puis tout. Là, ça fait toute une différence. C'est vraiment quelque chose. Oui! Là, ici, on va twister un petit peu. Encore peut-être des serpents dans les arbres. Puis ici, on va rentrer encore une fois dans la pyramide. Ah, vous pouvez voir comme j'ai essayé de la briser puis tout. J'ai essayé aussi de faire, est-ce que c'est comme la pyramide s'est fait enterrer par du sable? Je sais pas trop si ça fonctionne. Ça a de l'air. D'après moi, ça a de l'air comme... Si je recule ici un petit peu, là, puis je vous le montre. Hop, la caméra est pas dans votre place. Donc, en fait, ça ici, ça a l'air comme des... Fais votre temps. Ça a l'air comme des tas de sable. Mais c'est pas des tas de sable. C'est vraiment la terre que j'ai montée. Ah, mais là, j'ai essayé d'atténuer ou d'aplatir, de smoother, si on veut, pour que ça ait l'air plus comme juste des tas de sable qui se sont accumulés avec le temps. Donc, voilà la différence pour le cobra. Et maintenant, on peut embarquer dans le piton et voir la différence que ça fait pour le piton. Et on commence à monter, bien sûr. Oh! Est-ce que l'autre est à côté? Oui! Bonjour! Oh, malheureusement, je peux pas reculer plus en arrière que ça, donc je peux pas regarder les gens qui sont en arrière de nous pour leur dire bonjour. Mais bon, c'est le même que c'est pas de problème, c'est bien correct. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Et... Donc ça ici, je vous rappelle, c'est la montagne russe originale des lianes. Je suis en train de réaliser en fait que pour cet épisode-ci, on va pas ajouter vraiment d'attractions qui viennent de vous. C'était vraiment une attraction, un épisode de rattrapage côté décoration. Parce que j'avais beaucoup de travail à faire côté décoration. Donc ici, on a enlevé le petit tas de foin qui était en haut, qui a par rapport avec les arbres. Ça fait tellement différent. Il y a un petit tas de foin là, mais il était encore à bonne place, donc c'est correct. Ici, on va fesser une branche. Aïe, aïe. Faudrait peut-être qu'on répare le scorpion qui sort là. Faudrait peut-être qu'on le commence plus de bonheur. On est dans la... Oh! J'adore ça, dans la pyramide de même. Là, on voit justement, on voit le bas. Je sais pas si vous avez vu, là. On voit la bédaine du serpent un petit peu, là. Ça fait quelque chose d'intéressant. Puis là, ici, on repart. Les autres sont partis. Encore une fois, ici, peut-être des serpents dans les arbres. Ouh! Puis ici, encore, on va rentrer dedans, mais on va rentrer par en dessous. Et hop! Et puis, on va ressortir par-dessus. Donc, ça... L'effet avec la pyramide, franchement, si tu trouves, ça fait vraiment, vraiment cool. Ou est-ce que ça a juste l'air comme si tout a été brisé par exprès juste pour laisser les choses passer? C'est dommage que ces affaires-là, c'est vraiment cool, ce serait qu'ils explosent, disons, ou qu'ils se tassent juste avant qu'on passe. Je sais pas exactement comment on pourrait faire ça, mais c'est une idée. Là, ici, il y avait une affaire, premièrement. Hein? Toi, ici, je vais te commencer plus de bonheur, le scorpion, parce qu'on ne va même pas sortir de ta petite caverne. Et puis, deuxièmement, hein, il y avait toi à l'arbre. Qui est complètement dans le chemin ici, là. Qu'on va juste tasser. Et voilà. Avec peut-être le foin ici aussi. Là, ça a l'air comme si j'ai aucunement aidé la situation parce que cette branche-là est encore dans le chemin. Maudit arbre. Tourne ça de même.
Là, est-ce que ça, maintenant, c'est dans le chemin ici? Oui. La 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 la, tourne ça de même. OK! Est-ce que c'est bon? Non, oui, parce que ça, ça passe en dessous, donc c'est correct. Il n'y en a pas de problème. Tout va bien. Et voilà. En fait, ouais. Je pourrais, si je veux vraiment faire attention, je pourrais juste le descendre un petit peu de même, puis on aurait été correct. Et voilà! Voilà! Donc ouais, laisse-moi savoir vos pensées dans les commentaires à propos de la nouvelle façon que je fais mes montages. Je suis curieux à savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Bien sûr, je vous rappelle que je lis tous vos commentaires, je les utilise comme source d'inspiration pour mes vidéos. C'est la raison pourquoi quand je vois Planet Coaster en ce moment, oui! Et puis je publie toutes mes vidéos en ce moment les vendredis avec des lives les samedis des fois et la rediffusion dimanche des fois comme on a pu voir la fin de semaine qui vient de passer. C'est pas toujours exactement le cas. Si vous aimez ce que je fais, eh bien je vous invite à laisser un pouce ou vous abonner. Bien sûr, c'est pas nécessaire. L'important c'est qu'on soit tous ici ensemble en train d'écouter des vidéos et puis qu'on s'amuse. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine.